Bienvenue dans cette vidéo, on va parler du marché international de Go4Win. Allez, c'est parti, on y va. Dans cette vidéo, on va parler du marché de Go4Win en développant quelques points, le domaine de Go4Win. Quels sont les produits vendus par Go4Win? Ensuite, les chiffres du marché, de ce marché de Go4Win. Les pays concernés par le marché et le nombre de clients potentiels, et ensuite les évolutions à venir du marché de Go4Win. On a eu quelques informations à ce sujet, donc je vous les transmets. Donc le domaine de Go4Win, c'est le marché des livres numériques dans les domaines du développement personnel, du marketing et des nouvelles technologies. Alors ces livres sont sous format d'e-book téléchargeable depuis son interface Go4Win. Donc quand on devient client de Go4Win, on achète des livres avec droit de revente en fait. Et ces livres nous forment à mener une activité épanouissante et atteindre la liberté financière. Donc le marché des livres numériques, c'est un marché innovant. Puisque ça n'existait pas avant, et c'est une révolution du marché du livre, puisque les ordinateurs, les tablettes et les téléphones mobiles deviennent des points de vente depuis lesquels les utilisateurs peuvent acheter plus de livres. Et c'est également le cas pour Go4Win, bien sûr. Donc les chiffres du marché rapidement, c'est un chiffre d'affaires mondial de 3,5 milliards d'euros, donc les livres numériques. Donc à nous maintenant de prendre notre part du gâteau. C'est un marché en croissance, donc plus les choses avancent et plus les gens lisent des livres numériques. Donc ça c'est intéressant. En France, il y a un Français sur cinq qui a déjà lu un livre numérique. Et parmi ces personnes-là, il y a plus de 40% en fait qui ont lu un livre numérique il y a moins d'un mois. C'est rentré quelque part dans les mœurs, c'est-à-dire les gens ont l'habitude de consommer des livres numériques et donc des e-books, quoi. Alors en Europe, 7% des livres sont numériques et c'est à peu près la même chose en France. C'est la comparaison par rapport aux livres papier et aux livres numériques. Pour des livres numériques, il y a notamment, on peut lire sur téléphone mobile, on peut lire sur tablette, on peut lire sur ordinateur. Il y a des applications de liseuses avec du matériel, donc des liseuses qui sont spécifiques pour les livres numériques. Donc ça, c'est par rapport au marché des livres numériques. Pour parler des personnes concernées par les livres numériques de Go4Win, on a actuellement des livres en français. Donc le marché, c'est la francophonie. Alors la francophonie, rapidement, c'est 250 millions de personnes qui parlent français dans le monde. Donc là, clairement, il y a un potentiel pour trouver des clients quand on s'investit dans Go4Win. Quand on achète des livres et qu'on les revend, puisque on a nos droits de vente, nos droits de revente à chaque achat de bouquets de livres. Hein, c'est des bouquets de 4 livres à chaque niveau. Et le nombre de ventes possibles augmente au fur et à mesure qu'on avance on va dire la hiérarchie de ces bouquets de livres. Donc on a une quarantaine de pays et territoires qui parlent français. Il y a des pays où c'est la langue officielle, en France, en Afrique. Il y a des pays où c'est une seconde ou une troisième langue officielle. Et il y a des pays où on parle communément le français, donc il y a plus de 30% de la population qui parle français, mais où c'est pas une langue officielle. On retrouve bien sûr la France, la Belgique et la Suisse en Europe. Il y a d'autres pays aussi comme le Luxembourg et un que je dois oublier. Et en Europe. Et il y a le Maghreb en Afrique.
Donc le Maghreb, c'est Maroc, Algérie et Tunisie. Et le Congo, qui est le pays où il y a le plus de francophones au monde, en fait. Il y a plus d'habitants au Congo qu'en France. Et c'est un marché potentiel là-bas aussi. Et bien sûr, il y a le Canada avec le Québec, où plus de 90% des personnes au Québec parlent français. Certainement en plus de l'américain, on va dire. Donc voilà un peu pour le potentiel. Donc ça, les 250 millions de clients potentiels, c'est par rapport au marché actuel. En fait, la première offre de, enfin, la première série d'offres, on va dire, avec 6 bouquets de 4 livres. Ça, c'est l'offre actuelle de Go4Win pour le lancement. Maintenant, il va y avoir des évolutions aussi. Et donc, il va y avoir une diversification des offres avec des livres audio. Donc ça, c'est un marché en croissance aussi. Plus il y a plus le temps avance, plus des gens achètent des livres audio. Donc, les livres audio, on peut les écouter avec des applications sur téléphone mobile, les acheter et les écouter sur téléphone mobile ou sur d'autres supports. Et donc Go4Win compte proposer des livres audio par la suite. Ensuite, on a entendu parler de logiciels et de services web. Donc il y aura des livres audio, des logiciels et des services web par la suite. Et donc autant de personnes qui peuvent être intéressées par de tels produits et services. Ensuite, le marché des livres numériques va évoluer, c'est-à-dire il va y avoir une extension du marché avec la traduction dans plusieurs langues. Donc, il y aura plusieurs langues là qui sont actuellement en train d'être mises en place pour les livres numériques et certainement pour les livres audio, les logiciels et les services web. Tout ça, ce sera certainement multilingue. Donc là. On a un marché qui va augmenter du coup qui va être plus conséquent, notamment avec la Grande-Bretagne, les USA et l'Australie par rapport à la langue anglaise. Le portugais, donc le Portugal, l'Angola en Afrique et le Brésil en Amérique latine. Pour les principales langues, on va dire par rapport au nombre de clients potentiels. Donc là, ça va donner clairement, en plus de la francophonie, un marché d'1,5 milliard de personnes sur Terre. C'est une remarque en fait qui a été vite mise sur table. C'est que ce serait intéressant que les livres et les produits et services soient traduits dans d'autres langues pour augmenter la portée, on va dire, des offres de Go4Win. Donc par la suite, on aura tout ça à disposition et donc c'est très encourageant pour l'avenir. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous félicite de l'avoir suivie. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. N'hésitez pas à mettre une mention j'aime, à répondre à un commentaire qui ne restera pas sans réponse. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre liste gratuite pour recevoir des informations de notre part. Pour mener votre activité Go4Win, connaître la liberté financière. On va dans notre équipe animer des réunions Zoom régulièrement pour vous aider vous aussi à développer votre activité. Lorsque vous commencez à travailler et à trouver des personnes intéressées et que vous les amenez dans notre équipe, on va les former gratuitement pour vous, pour que ces personnes-là travaillent dans votre réseau. À bientôt pour de nouvelles informations sur Go4Win.